Bonjour à tous et bienvenue sur Anime Fighting Simulator X. Nous sommes de retour et aujourd'hui, on ne rigole pas. Aujourd'hui, on va débloquer encore plein de techniques, peut-être même toutes celles du jeu. Pour l'occasion, vous voyez, je me suis mis le visage de Goku. On le voit pas parce que je suis en train de frapper. Je me suis mis le visage de Goku. Non, c'est faux, je l'ai pas mis pour l'occasion, j'ai juste mis parce que... Écoutez, mon visage avant, c'était un truc de Roblox moche, il fallait le changer. Bref, maintenant, on va devenir les meilleurs. Parce que je vous rappelle que l'objectif... c'est qu'ensemble on devienne la commu de youtubeurs la plus fumée sur ce jeu. Et oui, si n'importe quel youtubeur français a commencé à jouer à ce jeu, désormais ce sont mes rivaux, absolument tous. Si vous avez des noms, dites-les moi en commentaire, je rigole pas, vous êtes tous mes rivaux. Tous ceux qui ont fait des vidéos sur le jeu, vous êtes tous. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on progresse aujourd'hui. Alors déjà on a une quête. Là on a une quête, gagner 1 million de force pour gagner le Serious Punch. Donc je suis en train de la faire, ça va aller plutôt vite. Et on a aussi... Bashukaku pour avoir une grenouille de Jiraya et tue 30 cyclopes pour qu'il lui a, on le fera un jour peut-être ça si j'ai envie, mais là j'ai un peu la flemme. Et on a aussi gagne 1000 fois des points de force pour gagner le titre de héros. Donc beaucoup, beaucoup de choses à faire et vous le remarquez peut-être aussi, maintenant j'ai l'épée de Ichigo et donc elle m'a aussi débloqué le Getsuga Tensho. Voilà, il est un peu petit, mais il fait le taf. Donc voilà, on est très vénère aujourd'hui. C'est parti, maintenant, montons cette force. Moi, je vais faire autre chose en attendant, comme ça, on va faire une vidéo en plein de parties. Je vais cut tout le temps. Et à la fin de cette vidéo, j'aurai un milliard, au moins un milliard de puissance. Je rigole pas. Et on va déjà y être. Ça fait genre une minute que j'ai arrêté de filmer. Allez, vous avez fini une quête, let's go. Donc on va avoir le Serious Punch, easy. Vraiment, pour le coup, c'est easy. Et j'ai... Alors, Nami, d'ailleurs, Nami, personnage mythique secret du jeu. Secret. En fait, elle est extrêmement rare. Dans le chat, vous voyez, on peut voir plein de gens qui ont genre... Ah, Madara Shiny, One, je suppose que du coup, c'est la nouvelle Nami. Je suppose que c'est le nouveau secret. En fait, c'est tous les serveurs. Vous avez marqué global, en fait, c'est tous les serveurs. C'est pour ça qu'il y en a plein. Donc, en fait, avoir Nami... c'est une chatte stratosphérique. J'ai eu une chance énorme et je m'en rendais pas compte. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est elle qui me donne 50 yens par minute. Donc elle est broken. Et il faut le dire, elle est complètement cassée. Donc maintenant, je vais la garder H24 avec moi. Alors, tu as maintenant le Serious Punch. Let's go. Prochaine technique, c'est une transformation. Oh, le Super Saiyan. 1 million de durabilité, 1 million de chakra. Oh frère, alors tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt pour l'upgrade que je vais choper. Alors, je check quand même. Super Saiyan, c'est ça. J'ai trop hâte qu'il y ait des matchs sur le jeu parce que je vais avoir fini le jeu aujourd'hui, je pense, en vrai. Let's go. Ok. Ça va être easy. Ça va être vraiment easy. Faut que je fasse attention. Par contre, il y a Shukaku qui va spawn dans pas super longtemps. Donc, il faut pas que je le rate pour l'autre quête. Comment on vole déjà? C'est contrôle. Voilà, c'est contrôle. Voilà. Allons-y. Donc, on va sur l'île du désert. Dans le désert, on avait déjà médité dans une tempête de sable. Cette fois, on va méditer... Pourquoi il y a un PNJ ici? Attends, c'est nouveau, ça? Il y a Asuma. Qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Kazuma. Ah, il donne la quête des Chunin et tout. D'accord. Ok. Peut-être un peu difficile comme quête. Je pense que celle des Nomu est mieux pour mon niveau. Donc, bref, je le disais. Donc là, on a Asuna. Voilà, tout est super. Tout est très beau. Tout est magnifique. On va aller sur l'île à côté. L'île de la neige. Il faudra qu'on pense à retourner là-bas pour affronter Shukaku. Et l'île de la neige, nous avons un endroit quelque part, un espèce de volcan de neige, en fait, de comment c'est la neige carbonique, de l'azote liquide, c'est ça que je cherchais. C'est genre, je sais pas où c'est, mais c'est quelque part par là. Alors c'est pas ici, ça c'est la tour du paradis de Faritas, évidemment, vous connaissez tous le manga Faritas. Donc c'est ici finalement, je me suis planté d'endroit, voilà, on va là-dedans. Alors, il n'y a pas d'azote liquide, j'ai menti, je pensais. C'est juste une chambre de glace. Voilà. Et on médite, quoi. On s'entraîne. Et petit à petit, on va up la durabilité. Et après, le chakra, je sais pas où faut l'upgrade, je vais être honnête. On verra. Oh, le titan cuirassé à spawn. Donc, il y a plein de boss qui spawn. Mais nous, il y a juste Shukaku qui nous intéresse. Donc, dès qu'il spawn, on ira le faire. Et j'espère qu'il nous droppera son skill. Parce que je pense que tous les boss ont un skill spécial. Et j'aimerais bien avoir un skill de démon à queue de Naruto. J'ai vu des gens qui en avaient. Donc c'est que ça existe. Donc j'aimerais bien le choper. Et après on verra. Il y a aussi les fruits qu'on peut avoir, mais c'est assez rare. On va essayer de réinvoquer des stands aussi aujourd'hui. Bref, beaucoup de choses. Premièrement, Super Saiyan 3. Et j'ai déjà monté la Dura. Donc maintenant, où est-ce qu'on va? Ça, c'est une très bonne question. Nous nous rendâmes vers Chakra, c'est où le temple à 1 million, ok, let's go. Ou la chute d'eau, je sais pas si j'ai assez d'énergie pour faire le temple direct. C'est parti. Allez, profitons-en aussi pour invoquer un stand. Alors, let's go, on va invoquer... Y aller. Tais-toi, Jotaro, tais-toi. La main. La main. Incroyable. Non mais ça commence à plus être drôle là par contre.
Magician's Red, ok. L'âme... Non, non, c'est plus drôle. Arrêtez, voilà, voilà, merci. Donnez-nous des trucs un peu mieux. Quand même, voilà. C'est bon, ça respecte. Bon, c'était un peu de la merde. Voilà, c'est, il faut le dire, j'ai rien eu d'exceptionnel. À part la main. Mais c'est pas grave. On fera avec. Allez, allons au temple. Ou allons à la cascade, parce que je suis pas sûr d'avoir les stats pour le temple. Effectivement, j'ai pas encore les stats. Allez, ça va prendre encore pas trop longtemps. Ça va être easy. Ok, on a le temple. Let's go. Allez, c'est parti. Suis-moi la main. Je vais vraiment le dire à chaque fois. Oui, oui, absolument. Ça va être court très vite. Et moi, je vais trouver ça très drôle. Parce que plus tu répètes une blague, plus elle est drôle. C'est comme ça que ça fonctionne. Allez, c'est parti, on médite. Fukaku devrait être là vraiment dans 3 minutes. Donc, va falloir que je l'oublie pas. Eh, hey, il y a Ban sur le sol. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, tu sais... j'ai pas envie de traduire ça. C'est bon, laisse tomber. Allez, je m'en vais. Alors, j'ai fini la quête. Oui, je suis en train de manger des chips en même temps. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue à ce jeu, je mange des chips. Il me semble que j'avais fait pareil sur la première version aussi. Mais c'est pas grave. Alors, bonjour, Boom. Tu peux maintenant utiliser le Super Saiyan. Bah cool. Ça augmente la force, la défense et la... Ça augmente tout en fait. Ok. Il y a une alliance de pirates sur l'île arctique. Il faut que tu fumes 5 pirates. Ez. Qu'est-ce que... Ok, je crois qu'il avait fait une attaque de ouf. En fait, c'était juste un Kamehameha. Tu pleures un peu. Alors, donc je disais. Super Saiyan, c'est J. Ok. C'est plutôt... Sur là, on avait le Haki. Plutôt frais. Il est que blanc, malheureusement. Il a pas changé de couleur au fil du temps. C'est bien dommage. Encore une fois, s'il y a un dev qui passe par là, s'il vous plaît, changez ça. On a eu... Les portes? Oui, je suis en train de toutes les faire une par une. C'est littéralement le Super Saiyan 3. Faut que je montre toutes mes formes précédentes avant d'utiliser. Et maintenant, Super Saiyajin! J'en étais sûr. Attendez, on va faire un cut et vous allez faire comme si vous avez rien vu. Et d'un coup, mes cheveux vont changer. Ok, maintenant vous êtes prêts? On va faire ça mieux. On va faire ça, mais genre comme le jeu aurait dû réellement le faire. Ok, on va enlever Zahondo. Ok, vous êtes prêts? Super Saiyajin! Oh les mecs, incroyable, mes cheveux ont changé de couleur. J'ai pas du tout cut et changé de coiffure. Putain, ça rend mal avec ma coiffure, avec mon visage par contre maintenant. Ouais, bon, j'avais déjà fait ça sur le premier jeu, j'avais changé la couleur de mes cheveux. On fait ça à l'ancienne. Vous savez quoi? Je peux faire mieux maintenant. Maintenant, on a du budget. Je vais y aller full budget. On y retourne. On fait pas une vieille perruque ici. On y est là pour de vrai. Ok, vous êtes prêts pour la réelle transfo? Let's go. On va réellement être super... On a le budget maintenant. On a le budget depuis la dernière fois. Let's go. C'est ça le Super Saiyan. Voilà, là on est bien. Là on est très très bien. Bon, maintenant que j'ai claqué à peu près 1 euro là-dessus, on va passer à autre chose. Ah, on est bien là. Ça me fait plaisir. J'ai l'air frais. Ah, ben, ça me fait plaisir. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que c'est la prochaine quête? Ah oui, tu veux ça une pirate, c'est vrai. On va avoir des techniques One Piece du coup. On va voir. Hein. Et on sent quand même puissant là. Hein. Même sans l'aura. Après, le visage est un peu... Ah si, il est HD. Ok, je pensais qu'il était pas du tout HD. On est frais. J'ai plus l'impression d'être mon perso, mais c'est pas grave. Ah, on est bien là. Ah, on est bien. Bref, je vais arrêter de... Je sais bien fait de l'acheter, mais en vrai, c'est le meilleur achat de ma vie. Allez, let's go. Rara. Vas-y, bah, je suis vraiment super sienne là. Bah, les couilles. Je sais pas pourquoi j'ai fait rara, mais c'est pas grave. Bam. Voilà, on enchaîne. Rasengan. Let's go. On claque un Kamehameha aussi. Ton... Il est où? Ah, pardon. Je crois que je l'avais tué. Je regardais pas où il était. Kamehameha. Bam. Il est dead. Ah, il est, pardon, il est pas dead. Maintenant, il est dead. Allez, bon, et on continue comme ça. Et on tue 5 pirates et on finit la quête. Vas-y, on va sortir Zahondo, la main. Vas-y, là, ça, c'est tout. Elle a juste fait ça. Vas-y, là, la main. Fais ton attaque. Je crois qu'il l'a fait. Il est pas ouf, hein. Il fait ce qu'il peut. En même temps, c'est un commun, hein, genre, bon. Il fait ce qu'il peut, mais c'est pas terrible. Et bam, 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 bam. Et c'est gagné. Let's go. Casse-toi la main. Tu es moche. Voilà, moi, je vais juste continuer à regarder mon perso tellement il est beau. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Qu'est-ce qu'il est. Attendez, je suis en cooldown, 2 minutes, ok. Qu'est-ce qu'il est puissant. Voilà, on est bien, on est bien. Allez, la quête est finie. Bref, passons à autre chose. On va arrêter de... Je vais arrêter de m'extasier devant mes achats compulsifs. Et nous allons désormais... bam, parler à Boom. Alors, tu as... Ça avait l'air trop facile pour toi, c'est vrai. Maintenant, tu as une nouvelle invocation de perso. Ok, donc tu peux invoquer deux persos à la fois. M'en fous actuellement, vu que j'ai un ami. Peut-être que je le referai un jour. J'ai une nouvelle épée à te donner. Il faut que tu sois super fort en épée. Gagne 1 million d'épées et ce sera ok. D'accord? Et bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va booster. Bam! Voilà, mon épée va aller. Attends, 1 million d'épées? Mais j'ai déjà quasiment 1 million. Bah, aise! Encore une fois, plutôt easy quoi. On se transforme parce qu'on rigole pas ici. J'ai oublié Shukaku. Pardon, ça vient de m'arriver en tête. J'ai oublié Shukaku. Je l'ai complètement zappé. Il respawn quand maintenant? Dans une heure. Bon, bah, on fera peut-être pas Shukaku aujourd'hui. J'avais dit qu'il fallait pas que je l'oublie, mais le Super Saiyan m'a fait oublier Shukaku. C'est pas grave, allez, on s'entraîne, on gagne la nouvelle technique. Ok, c'est réussi, encore une fois. Oh, j'ai la triple... Oh, attends, c'est stylé, triple blade, là.
Ok, blablabla. Maintenant ton chakra. Ok, 5 millions de chakras. Mais c'est facile, mon petit gars. C'est très facile. Du coup, on a la faux de Idan maintenant. Elle est l'effet des trois lames comme ça quand on frappe, un peu stylé. Ok, plutôt cool. Maintenant, il me faut un max de chakras. Donc, c'est reparti. Je sais pas si on arrivera au 1 milliard finalement. J'ai l'impression de pas progresser aussi vite que ce que j'imaginais. Mais on sera au moins aux 100 millions. Ce qui veut dire qu'on aura notre nouveau grade. On sera plus Saiyan. On passera le truc au-dessus. Je sais pas ce que c'est. Sin, Holo, j'en sais rien. Un truc d'un autre manga, je suppose. Allez, c'est parti. On médite. On apprend à maîtriser notre puissance monumentale. Allez, c'est parti. Ok, le chakra est bon. Alors, vous ferez attention aussi quand vous méditerez. Il faut pas méditer devant les marches, en fait. Ça a l'air stylé. En fait, bah ça l'est pas parce que tu gagnes pas le chakra. Donc, j'ai l'air con. J'ai eu l'air con pendant 5 minutes quand je me suis rendu compte. Mais c'est pas grave. Allons-y. Alors, la suite de la quête. Du coup, je suppose que c'est là. Pourquoi il y a une quête là-bas? Pourquoi il y a... étrange. Tu as débloqué le Shinori. Oh. Et maintenant, tu as besoin d'énormément de puissance que peu de personnes possèdent. Alors, ça m'étonnerait, je pense que beaucoup de gens sur le serveur possèdent. Voilà, on peut regarder. Il y a à peu près beaucoup de gens qui me surpassent en puissance. Bref, il me faut 10 millions de force, 10 millions de durabilité, 10 millions de chakras. Ce qui est pas si dur en réalité. Ce qui est ok. On va commencer par le chakra. Je pense qu'on va redoubler le chakra, comme ça il va aller ultra vite. Il va être rapide. Et let's go. Et on met... Attendez, j'ai juste envie de voir à quel point je gagne combien. 25 000 Enami du coup derrière qui me claque du 12 000. Ouh, let's go. Let's go. Quasiment 40k à chaque fois hein, du coup. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après j'ai un boost. Il faut l'avouer. Voilà, j'ai aussi un boost. Mais ça reste quand même plutôt clean. Je possède une puissance très élevée. Allez, on médite. Je vais faire tout ça. Je vous reprends quand j'ai fini. Parce que c'est pas intéressant juste me voir méditer. Et moi je vais jouer à autre chose pendant ce temps. Voilà, allez, à tout de suite. Et j'y avais pas pensé, mais c'est vrai qu'on a Shidori. Donc let's go. Shidori. Allez, en vrai c'est stylé avec les mouvements de main et tout. Ok, bah faites pas attention. J'ai fait un tour dans l'espace. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon. Et après, on a un punch aussi. Serious punch, voilà. Serious punch. Bah, oh, il est vénère celui-là. Il est très. Je vais refaire le Shidori juste vu que là il a raté. Ouh, Shidori. Je tombe à l'aide. Bon, c'était moins terrible. Mais le Serious Punch, c'est cool. Lui, ouf. Ah oui, je me vois l'utiliser. Lui, je me vois clairement l'utiliser. Allez, bon, il nous faut la force et il nous faut la dura maintenant. On gagne quoi, d'ailleurs? J'ai pas fait attention. Oh, le Haki des Contre-Barbes. Le Haki des Rois. Ok, j'ai créé envie d'avoir le Haki, là. C'est chaud. Par contre, je sais plus où je m'entraînais. Avec la... J'avoue tout. Ah oui, ça y est, je me souviens. La force, c'est un peu bizarre. La force, c'est un peu chelou parce que tu t'entraînes à taper le caillou bah, de Tanjiro. Ça serait plus logique que ce soit un entraînement d'épée. Mais il n'y a pas d'entraînement d'épée dans ce jeu, donc je comprends. Allez, tapons cette pierre avec ma puissance de Super Saiyan. Normalement, ça devrait aller très vite. Et puis voilà, et puis après, on deviendra super fort et puis on aura le Haki des Rois, c'est droite. Ok, c'est bon, on a tout. Let's go. Allez, on arrête de s'entraîner là. On n'est plus là pour rigoler. On est là pour avoir de la puissance. On est là pour avoir du son aussi. J'avais enlevé le son, évidemment. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a déjà? Ah oui, le Haki des Rois, j'avais complètement oublié. Ok, let's go, je savais que tu avais cette puissance en toi. Évidemment, mon frère. Cette prochaine arme que tu auras, c'est une épée ancienne que seuls peuvent utiliser. Tu dois gagner 10 millions. 10 millions, ça va prendre un moment. C'est quoi l'épée? C'est quoi? La Z-Sword! Et du coup, on gagne Tiki Slash. Ok, donc, et 3 Shiny Rock. Donc ça, on n'avait pas encore eu. C'est-à-dire que je vais pouvoir avoir Nami Shiny. Elle est déjà fumée. En Shiny, ce sera encore mieux. Ok, cool. Qu'est-ce que je voulais voir aussi? Je voulais upgrade la Sword, sinon ça va nous prendre littéralement une éternité. Je viens d'upgrade la Sword. Ok, ça va nous prendre une éternité, du coup. Bon, testons le Haki des Rois. Alors, c'est quoi là? C'est B. Vas-y, stop, on arrête de faire ça. On se met en Super Saiyan, on rigole pas. Et Haki des Rois, Haki des Conquérants, comme littéralement traduit. Waouh, il est stylé. Il est stylé de dingue. J'ai envie de le tester contre des ennemis maintenant. Attendez, on va aller le tester quand même vite def. Paf, on va aller frapper Nomu. Parce que Nomu, il est très très faible. Vas-y, Haki des Rois. Bam! Ça fait mal! Oh, c'est une onde de choc, mais genre vénère! Ça l'a quasiment one shot. Frère, tu pues. Voilà, il faut le dire, Nomu. Tu pues la sauce. Je lui ai explosé la bouche avec mon Haki. J'ai failli le sonner avec une seule charge de Haki. Ok, c'est stylé. Bon, allez. On XP la Z-Sword.
Et comme ça, on aura une nouvelle épée. Et je pense que il doit y avoir encore des quêtes. Je sais qu'il y avait des abonnés qui m'avaient parlé d'une quête, je crois, à peu près 40 et quelques, qui apparemment est un peu abusée. Je pense que c'est l'une des dernières, du coup. Donc, on va essayer d'aller un peu plus loin. Parce que visiblement, j'ai pas encore fini. Ouh, attendez, j'ai trouvé totalement au hasard le démon des mains. Le démon de las manos. Je sais pas. Vas-y, on va claquer une attaque. Tu es en combat. Je sais pas si j'ai affronté les autres gars. Je suis désolé si je vous ai frappé. Et il est mort. Mais du coup, j'ai rien gagné. J'ai gagné un truc. J'ai fait genre 3 points de dégâts. Du coup, j'ai gagné un truc. Waouh, j'ai pas gagné grand chose. J'ai pas gagné de skill. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. Moi, je voulais méditer en fait pendant que je faisais mon entraînement. On a la maison de Demon Slayer en haut. Vas-y, on y va. Spiderweb. Et du coup, faut que je sois dans la maison. Attendez, j'ai plus d'énergie en fait. Donc là c'est complet. Ok, on y est et Nami me file mon chakra. Donc comme ça, je peux XP ma sword et pendant ce temps-là, Nami me file du chakra. Donc c'est quand même très très bien. Et voilà, on repart à FK. J'ai quand même bien le seum d'avoir upgrade ma speed et pas ma sword. Ce serait allé beaucoup plus vite. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Ok, l'épée, c'est bon, let's go. Pourquoi il me fait du stuff? De quoi on me parle? De quoi il y a un boss? On me parle à moi? Je sais pas. C'est pas important. Donc, last word, let's go, blablabla. Tu es devenu plus puissant. Eh oui, je suis très puissant. Eh, hey, SL. Maintenant, il faut que je fume des démons. Ok, et bah, ça tombe bien, j'ai une nouvelle épée. Oh, la Z-Sword, elle est vraiment... pas belle, voilà, il faut le dire, désolé. Dragon Ball fait beaucoup de choses bien, mais pas les armes. Bon, voilà, il n'est pas super bon, c'est tout ce que tu peux pas répondre. De quoi quoi? On me parle? J'ai pas compris. On me parle ou pas? J'ai pas capté. Bon, c'est pas, j'étais pas là, hein, donc j'ai pas vu s'il m'a mis des messages avant. Et dans l'historique, je ne vois rien qu'il aurait dit avant. Donc je ne sais pas. C'est un abonné qui veut probablement me dire quelque chose, mais c'est un mystère. Je ne sais pas quoi. Allez, allons fumer des démons. Alors, j'ai tué des arrows démons. Apparemment, ils sont par là-bas. Ok, let's go. On va essayer ma nouvelle compétence. Alors, c'est... Attends, on va se transformer Super Saiyan. Super... Non, ça, c'est le Sayus Punch. Ok, c'est pas grave. Super Saiyan et qui slash, c'est N. Putain, c'est N. Il va falloir vraiment que je réorganise... Comment ça, j'utilise déjà une transformation? J'utilise rien? Ah si, j'ai mon haki, d'accord. Ok, donc, ouais, il faudra que je réorganise parce que là, mes touches, c'est un peu le bazar. Et qui slash? Ah ok, c'est comme Trunks. Aïe. C'est ok. Ça fait pas des super dégâts, hein. On va pas se le cacher. C'est quoi déjà le... J'ai oublié le haki des rois. Je vais me faire fumer parce que j'ai oublié mes touches. Oui, je vous l'avais dit. Il faut que je réorganise. Ouais, il faut absolument que je réorganise mes touches. Là, c'est chaud de dingue. Bon, allez, on réessaye. Et cette fois, je me trompe pas. Vas-y, B. Le haki des rois! Et ça fait 3 points de dégâts. Oh sa mère, c'est peut-être lui qui est très fort en fait. Oh oui, c'est lui qui est... Oh sa mère. D'accord, c'était pas mon épée qui était faible. Ah, au secours! Au besoin d'aide. Oui! Absolument! Je sais que d'habitude je demande pas d'aide, mais là je me fais péter la bouche! Au secours! Dévastateur. Oh, je savais jamais testé cette technique, je savais même pas que je l'avais. Ou alors je l'avais oublié. Shidori! Je vais me faire fumer. Attends, je vais peut-être réussir à le tuer lui. Vas-y. Non, j'ai fait le haki des rois, je crois. Non, j'ai fait qui slash. Ok, j'en ai tué un. Et il faut que j'en tue 5. Ok, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Ils sont où les autres? Il y en a qu'un seul qui spawn à la fois. On dirait que oui. Vas-y, attention. Désolé, je vais faire des dégâts. J'aurais dû me mettre en groupe. Je vais le tuer sans faire exprès. Ils sont solides, ces mobs. Ils sont pas aussi solides d'habitude. D'habitude, ils puent. Ouais, Galigun, le mec déconne 0. Ah, il m'a bien aidé. Merci. Merci à toi, jeune abonné. Merci de ton aide dans cet objectif. De devenir plus puissant, ouais, lui il est déjà très fort, on dirait. Comme quoi, les abonnés ont plus XP que moi. Donc c'est moi en fait qu'il faut que j'XP moi si on veut rattraper les autres youtubeurs. Ah, je me suis encore fait fumer. Bon, et bah je pue un peu la sauce, hein. Genre c'est incroyable. Il faut que j'invoque Zarando, pardon, la main. Bah oui, bien sûr, il faut que je l'invoque. Sinon ça va être, sinon je vais me faire péter la bouche. Et en plus ça va l'XP comme ça. Est-ce que j'ai vraiment envie d'XP la main? Non, je pense que j'ai envie d'XP le magicien rouge, comme on l'appelle. Je sais plus où il est, hein, je vais être... Qui me parle? Ok, la quête est réussie. Merci à l'abonné Hunter. Merci Hunter pour cette aide. Vraiment, il a été top. Merci beaucoup. Parce que... je suis en train de me faire exploser. Ok, bravo, je suis sûr que tu as appris une leçon. Oui, j'ai appris que se faire carry par ses abonnés, c'est toujours plus facile que de le faire soi-même. Bref, c'est pas une super leçon, mais je l'ai appris. Maintenant que tu étais pas... t'as trouvé une machine pour m'aider avec mon entraînement. Gagne 500 000 de speed et je te la donne. Tu forces, je viens d'aller upgrade ma speed. Genre vraiment, il y a pas longtemps. Donc gros forceur, c'est tout ce que j'ai à dire. Oh, coffre. On ouvre et je vais avoir genre 3 pièces ennemies.
Ouais, c'est à peu près ça. Je me demande si c'est pas là le dernier endroit d'entraînement de la speed, parce que je vois même des gens super forts XP ici. Donc je pense que c'est la dernière. D'autant plus que bon, la quête elle me demande 500 000. Ici, le multiplicateur est tellement énorme que 500 000 c'est rien. C'est genre, c'est vraiment que dalle. Je vais le faire en genre moins d'une minute. Oh, je suis un vampire! Je suis un vampire, je suis Dio! Ok, let's go. J'ai monté un nouveau rang, c'est pour ça que je dis que je suis un vampire. Hein. Si vous l'avez pas vu, voilà, je m'appelle vampire maintenant. Je sais pas à quoi ça sert les rangs, je crois vraiment que ça a aucune utilité. Mais bon, ah, et c'est, voilà, c'est gagné, j'ai fini, j'ai reset. Bon, easy. Let's go. Qu'est-ce que je gagne avec ça? Ah oui, il m'avait dit qu'il y avait une machine. Balance. T'as obtenu, ah, les poids pour les jambes qui doublent la speed que tu gagnes. Ça, c'est très bien. Ça, c'est très très cool. Maintenant, il faut beaucoup de chakras. Gagne 25 millions de chakras. Ça va être un peu plus compliqué. En vrai, ça va me prendre un peu de temps. Je sais que je disais jusqu'ici que tout était easy. J'ai même pas 25 millions de chakras. C'est un peu dur. Ça, pour le coup, c'est un peu dur. Ok. Bon, on a quand même réussi l'objectif du jour qui a été de monter à 100 millions. Bon, je sais que j'avais dit 1 milliard, mais soyons réalistes, ça va être un peu dur. Donc, on va s'arrêter là pour cette fois. Et la prochaine fois, on essaiera de faire des boss. On essaiera peut-être aussi d'avancer encore un peu les quêtes. Oh, en plus, c'est Genkidama le prochain. Juste, j'ai envie de tester les poids des jambes avant toute chose. Ça va être inventaire, je suppose. Peut-être monture, accessoire. Ah, c'est les trucs de Rock Lee. Et donc là, je les équipe et j'ai l'impression de toujours bouger aussi vite. Mais ça va me doubler ma speed. Ok, c'est cool. Je suis même pas sûr d'aller toujours aussi haut, en tout cas quand je saute et tout. Ok, c'est frais de dingue. C'est-à-dire que je vais XP ma speed vraiment deux fois plus vite encore. Ok, et bah très cool, j'aime bien le jeu, vraiment j'aime bien, j'espère qu'il va durer longtemps, j'espère qu'il y aura plein de mages. Le premier était cool, à voir si le deuxième tient aussi longtemps, mais moi je l'aime beaucoup, moi je le kiffe bien. Allez, ORV, bisous, hasta luego, voilà.